du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à toi, mon frère, ma sœur. Je te salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Cette parole que nous venons de lire, tirée de la première lecture de ce jour, de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, est notre principale méditation en ce jour. Et nous allons entrer dans la présence de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Nous te disons merci pour le souffle de vie. En ce matin, Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons proclamer, Seigneur, que malgré tout ce que nous pouvons traverser, tu restes et demeures le Seigneur. Tu restes et demeures Dieu. Nous voulons encore dire aujourd'hui, Seigneur, que malgré les tribulations que nous pouvons traverser, toi, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et nous rappeler toutes les fois où tu nous as sortis de l'épreuve. Nous rappeler toutes les fois où tu nous as secourus, Seigneur. Ce n'est pas les événements de la vie qui déterminent notre adoration et notre louange, non. Mais tout simplement ce que tu es. Et c'est ce que nous voulons proclamer aujourd'hui. Que tu es, Seigneur, malgré tout, tu es, Seigneur. Yeah.
Esprit.